Canva possède son propre studio d'enregistrement. Donc, on peut enregistrer directement nos vidéos dans leur plateforme. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller télécharger une vidéo qui vient d'ailleurs. Donc, ici, quand on va dans Téléverser, on clique sur Enregistrez-vous. On va voir notre visage apparaître ici. Et là, on va pouvoir commencer à s'enregistrer, mais il faut commencer par choisir la bonne diapositive où on va déposer notre vidéo. Ensuite, on pourra changer les diapositives pour chacune de nos présentations sur chacune des diapositives. Donc, si je veux y aller comme ça, on me donne un décompte et là, je commence à présenter ma page partage. Ensuite, je vais avec la prochaine diapositive où je présente le contenu de ma prochaine diapositive. Et je peux continuer comme ça pour chacune d'elles. Quand je clique sur Terminer, donc je peux supprimer et recommencer, mais je peux enregistrer et quitter. Donc, on va voir les vidéos qui vont se télécharger. Donc, elles vont se déposer ici. Donc, vous n'aurez pas besoin d'aller les chercher ailleurs et elles vont se déposer par la suite aussi sur chacune des diapositives où vous avez parlé. Donc ici, j'avais parlé sur la diapositive 6, 7 et 8. Si vous n'êtes pas satisfait d'un enregistrement, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller seulement l'enlever. Donc, je peux supprimer la vidéo et le cadre. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait si j'enlève seulement la vidéo. Il y a un cadre circulaire, donc, que je peux enlever. Je pourrais choisir un autre cadre et redéposer ma vidéo en allant la chercher ici, par exemple. Donc, si je vais chercher une autre sorte de cadre. Donc, je pourrais aller chercher une autre sorte. Oups, j'étais pas dans éléments. Donc, je vais aller chercher une autre sorte de cadre. Donc, je pourrais aller chercher un cadre de cette façon-ci. Je viens le déposer. Donc, je peux rapetisser et là, je vais aller chercher tantôt dans mes téléversements une des vidéos que j'avais et je vais aller la glisser dans le bon cadre que j'ai choisi. Donc, c'est de cette façon-ci qu'on peut utiliser le studio d'enregistrement de Canva plus facilement que d'aller télécharger une vidéo qui vient d'ailleurs. Donc, voilà comment utiliser le studio.